Ouais, non, mais Mercedes, ça va pas du tout, les gars, là. Ça, c'est récapitulatif, donc, de tous les aérostands de moins de 2 secondes 5 de toutes les équipes depuis le début de saison. Donc, c'est en termes de pourcentage. Red Bull 43,5%, Ferrari 40,7%, c'est pas mal. McLaren 34,9%. Alors, après, ça descend vite. 23,8% pour AlphaTauri. Aston Martin 21,7%. 12,1% pour Alpine. Et après, t'as les cancres. Mercedes. 1,69% des arrêts seulement ont été faits en moins de 2 secondes 5. Sachant que Mercedes a fait 59 arrêts donc depuis le début de saison. D'ailleurs, je tique un peu sur le nombre d'arrêts de Red Bull, c'est étonnant qu'ils en aient autant. C'est peut-être à cause des crashs de Perez, il a dû s'arrêter plusieurs fois pour réparer, etc. J'imagine que ça doit être ça. Williams a donc 1,6 juste derrière nous. Et As, Alfa Romeo n'ont jamais fait d'arrêt de moins de 2 secondes 5 cette saison. Ouais, bah là, non. Si tu veux jouer le titre, tu fais pas ça en fait. Je serais curieux de savoir la moyenne des arrêts de Mercedes. On aura peut-être la stat d'ici la fin de la saison, à voir. Je vous laisse commenter ces chiffres minables de Mercedes.